Bonjour à tous, c'est lundi, je suis dans mon bureau. J'ai pas l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux, mais si je le fais, c'est pour une bonne raison. Ici à l'hôpital, la situation est extrêmement grave. On a déjà plus, à l'heure actuelle, de 185 patients hospitalisés avec le Covid. Tout à l'heure aux urgences, les ambulances arrivaient au quart d'heure, et si ça continue comme ça, on aura plus. Que les patients âgés, l'âge moyen est aux alentours de 7 ans, mais on a des patients qui sont plus jeunes, qui ont moins de 40 ans. Et c'est des patients qui ne vont pas bien, et déjà actuellement, c'est des patients dont certains ne pourront pas les soigner comme on voudrait. Alors, je vous lance un appel, et puis merci de le relayer le plus loin possible. C'est le dernier moment pour agir. J'ai besoin de vous pour faire passer ce message. Le Covid, c'est pas la grippe. On est en train d'arriver dans une catastrophe sanitaire. J'espère qu'on n'aura pas une catastrophe sanitaire comme ça mardi. Mais actuellement, la Suisse, qui est le pays le plus développé d'Europe occidentale, a failli à ses obligations. Alors, il n'y a qu'une seule solution. J'ai besoin de vous pour casser la transmission du virus. C'est de casser la transmission. Donc portez le masque quand vous êtes à l'intérieur, sauf à la maison, à moins que quelqu'un dans la maison soit malade, et en extérieur quand il y a beaucoup de monde. Portez le masque dès que vous vous sentez malade aussi en famille. Vous pouvez même le porter quand vous prenez la voiture. Parce qu'actuellement, le taux d'infection est tel sur Fribourg que quand on fait des tests, un test sur deux est positif. C'est un des taux les plus élevés d'Europe occidentale. Respectez une distance d'au moins 1,5 m lorsque vous retirez votre masque. Et si vous prenez des repas en famille, eh bien, respectez cette distance aussi. Si vous prenez des repas à l'extérieur, quand vous ne mangez pas, remettez le masque. Une précaution vaut mieux que pas de précaution du tout. Renoncez dès maintenant aux rencontres sans les mesures de distanciation. Ne faites plus, je vous en prie, de fêtes privées. Ne faites plus de fêtes de famille ces prochaines semaines.